Kisangani lies on a bend in the Congo River, more than 1,700 kilometres from the Congolese capital, Kinshasa, and surrounded on all sides by the vast Congo Basin forest. The city is peaceful now, but a decade ago, the war in the east of the country came to Kisangani's streets. The years of conflict and poverty took their toll on scientific research, not just here, but across the country. And by the mid-2000s, there were only a handful of forestry researchers in the whole of the DRC. Vous comprenez que nous avons la majeure partie, donc je crois que nous avons 52% des forêts d'Afrique tropicale. Alors, si nous ne formons pas les jeunes, alors qui va gérer ces forêts plus tard? That's why a new project called Reforco, and supported by C4 and the European Union, is doing just that, training a new generation of forestry researchers at the University of Kisangani. The program has established both a master's and a PhD program, and financially supports the 18 master's students and 25 PhD students currently enrolled. Ces jeunes seront versés après leur formation, ils seront versés dans le cadre académique, donc pour la relève hein, des enseignants à l'université. On va former les conservateurs de la nature, donc ils sortent de chez nous, ici. Nous n'allons pas ici. Donc, dans ce cas-là, les gens qui sont formés vont permettre à la population de lutter contre la malnutrition, de lutter contre la pauvreté, hein, surtout de faire une gestion durable des forêts. 30 kilometres from Kisangani is the Yoko Forest Reserve, one of the reasons the program is based here. The university fought to preserve the protected area during the war, and it's now the site of important field research. Les recherches que j'ai fait ici à Yoko concernent la caractérisation de la biodiversité aviaire des forêts de basse altitude. Les oiseaux, ils pérennisent la forêt parce que ce sont eux qui sont les vrais agriculteurs. Il faut la dissémination des espèces végétales. Frank Bapiamoni is one of the PhD students supported by the program. He works on describing the bird species found here, as well as examining the impact of humans on avian populations. Ce sont des forêts qui sont sous pression anthropique maintenant. Alors nous, comme scientifiques, nous voulons que nous puissions caractériser la faune, donc les oiseaux, l'ornithologie de cette forêt-là, avant que cette forêt ne soit vraiment détruite. Consulat Kaswira Kiamakia also conducts her research in the Yoko Reserve. She's studying a little-known family of rodents, known in English as elephant shrews. Les macrocéliens, ce sont des petits mammifères de la région qui sont vulnérables et qui sont consommés par la population locale comme viande de brousse. Nous avons constaté que ces espèces sont peu étudiées et elles sont menacées d'extinction. Kaswira is comparing the distribution of the species inside the reserve with that outside, where the animals are hunted for food. Le nombre de chasseurs, le nombre de piégeurs est vraiment croissant. Et lorsque les gros gibiers sont rares, la population locale se rabat sur le petit gibier. Donc l'espèce, c'est un gibier potentiel pour la population locale. Alors si on ne fait rien, au risque de l'exterminer, elle va disparaître comme ça, sans qu'il y ait une donnée, sans qu'il y ait des statistiques. The program also aims to encourage Congolese women to join the profession, a responsibility Kaswira takes seriously. Si je suis un exemple pour les autres jeunes filles, pour les autres étudiantes, ça sera une bonne chose. Puisque on a besoin de modèles, on a besoin de leaders. Si, malgré toutes les difficultés, tu arrives à franchir cette étape-là, ça encourage les autres qui viennent et ça leur donne vraiment des ambitions aussi de faire comme vous. Working across the river at another forest reserve, Prosper Sabongo is about to complete his PhD in forest ecology. He's looking at a particular type of forest ecosystem in the Kisangani area.
Nous, ici, nous sommes en train de faire une étude comparative de la même forêt dans plusieurs habitats, chose qui n'a pas été faite. Les travaux ont été faits ailleurs, mais on étudie seulement cette forêt dans un habitat précis. Mais comme c'est une forêt qui est dominante dans la cuvette centrale, il est vraiment important que nous puissions quand même connaître sa dynamique. Est-ce que cette forêt est statique ou la forêt varie aussi selon les habitats? Like his fellow students, he's passionate about the Congo's forests and about the need for Congolese researchers to learn more about them. C'est un patrimoine que nous avons là au Congo. Et en tant que chercheur, en tant que scientifique, nous devons connaître notre environnement immédiat. Si vous n'avez pas de moyens financiers, si vous n'avez pas le soutien nécessaire, vous ne pouvez pas arriver au bout de votre carrière, au bout de votre formation, et de vos rêves, de vos ambitions. Nous, comme Congolais, nous devons d'abord connaître notre propre faune. Les Occidentaux, quand ils sont venus, ils ont orienté les recherches ornithologiques suivant leurs besoins. Il y a des espèces qui sont déclarées comme étant des espèces très utiles pour les Occidentaux. Mais ces espèces-là ne sont pas nécessairement utiles pour nous, les Congolais. Or, c'est nous qui sommes directement en contact avec cette faune-là. Donc, nous devons la connaître. Nous devons la connaître pour la faire connaître aux autres.